Donc voilà, nous voilà arrivés sur notre poste numéro 7. Hein, donc là en plein montage du bivouac. Bonjour les gens. En plein montage de bivouac sur un terrain avec des trous et des bosses. Eh ben, c'est pas facile. Voilà, première enduro pour Michael. Ouais, une première pour moi. Grosse motivation. Les nouvelles billes, dynastie, puis les gens filles pour m'apprendre les ficelles du métier. Hâte de commencer, et c'est à peu près dans une heure et demie. Donc il va falloir que je m'occupe des cannes au lieu de m'occuper de mon dodo, si vous voyez ce que je vais dire. Voilà, ben, on vous tiendra informé de tout ce qui se passe au fur et à mesure. Donc là, les poissons commencent à se mettre en activité. Donc je vais employer le zig. Donc moi, je pêche au zig avec une petite pop-up. Aimant, hein, de chez Dynastique, et j'ai un zig qui fait à peu près 2,40 m. Et bien écoutez, on va mettre ça en place et puis on vous tient au courant. Premier poisson et petit poisson de l'enduroc. Voilà. Petite cocoque, toute mignonne. La première. Allez, on la remet à l'eau. Et puis en espérant qu'il y en ait d'autres. Hop là, c'est parti. Elle est pas vilaine. Franchement, pour l'instant, c'est un festival de touches avec avec Michael comment, qui fait deux poissons à l'asphil, moi qui refais deux coups sur coup. Voilà, ce beau poisson de 7,8 kg. 7,8 kg. Par contre, c'est malheureux, ouais. Ils ont la gueule toute défoncée. Ouais. Franchement, ça me fait mal pour elle. Et voilà, pour l'instant, on fait qu'un festival. Franchement, on a pratiquement tout fait, une dizaine de touches. Au début, c'était un peu loupé. Et là, c'est l'air de rentrer, les poissons. Superbe. Franchement, que du bonheur. Que du bonheur. Ah, elle est belle. Elle est belle. Ah, elle est plus grosse que d'habitude, celle-là. Attends, doucement, doucement. Regarde, c'est toi maintenant. C'est bon, elle est dedans. Eh bien, voilà, petite nuit. Franchement, notre ami Miguel nous a fait un festival. Ouais, on va appeler ça un festival, ouais. J'en ai mis 6 au sec, 2 casses et 3 loupés. Et tout ça avant 2h du matin. Donc à 2h30, je crois que je ne devrais pas le dire, mais je me suis couché parce que vraiment, j'en pouvais plus. Donc c'était une matinée, pas une soirée, une nuit plutôt, fructueuse. Voilà. Et là, je viens de retendre. Voilà, donc là, il est 5h, 5h30, donc on déjeune comme il faut pour être prêt au lever du jour, pour bien ramorcer comme il faut. Et éventuellement bah, toucher d'autres poissons. Voilà. Enfin, moi j'ai bien dormi. J'ai fait deux touches et deux décroches. Voilà. Mais franchement les poissons ils ont les bouches esquintées. Hein. C'est triste à voir. Ouais, c'est triste à voir, franchement.
C'est pour ça qu'éventuellement on arrive à faire des décroches, on pense. Donc on va remonter un peu la taille d'hameçon, prendre un hameçon un peu plus gros et un peu plus ouvert, que ça arrive à, éventuellement bien les piquer. Voilà, car bah ici, pas de tresse, ni en tête de ligne, ni en corps de ligne, ni en bas de ligne, et sans hardillon ou hardillon écrasé. Donc c'est un plan d'eau, il y a énormément de poissons. A priori du gros, mais pour l'instant on n'a pas dépassé les 7 kilos. Ouais, c'est ça, on n'a pas dépassé 7 kilos. Ouais. Mais je pense qu'on a dû faire des décroches ou des casses sur des beaux poissons. Quoi. Ah oui, cette nuit, ouais. Les deux casses. Hein, puis après, oui, puis une décroche qui s'est prise dans ta ligne là. Ouais. Ah, il était gros, ça, c'était du lourd. Ça m'a tracté, j'ai pas tout suivi. Donc bah voilà, bah écoutez, on vous tiendra informé de notre enduro. Ça devrait bien se passer. Donc pour l'instant, la feuille est bien remplie. Et puis on attend que les voisins se réveillent pour commencer. Pour commencer à comptabiliser tout ça, parce que là tout est en sac. Eh bien écoutez, on vous dit à tout à l'heure. Salut. Et voilà une partie de la pêche de cette nuit. Avec les petits poissons qu'on a déjà mis à l'eau parce que ça compte pour du beurre. Voilà, mais celle-là est magnifique, franchement. Très ouais, joli poisson. Belle couleur, ouais. Belle couleur, la bouche propre. Eh bien écoutez, notre voisin il va venir peser pour nous valider les poissons. Et puis ben voilà. Allez, à plus tard. Attends, allez, il y en a encore là. Oh, t'es là jusqu'à midi. Allez. C'est bon. Voilà. Super. Oh putain. Allez, vraiment, c'est pas que l'équipe le plein temps. On va être trempé, mais c'est pas grave. On lâche rien. On est en enduro. Faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Ça va rester les premiers. Faut tout mettre des chances de l'autre côté. Allez, encore un petit pour faire style. Ah putain, ça touche, ça touche. Ah, c'est dessus. Un petit poisson. Donc là, je viens de d'avertendre à la morsée, malgré qu'il pleut. On lâche rien. On va tâcher de garder éventuellement notre première place. Donc je vais commencer à préparer les montages pour ce soir pour pêcher au fond. Bon, et bien voilà, donc la pêche aux zig, c'est fini pour aujourd'hui. Donc là, c'est parti pour la dernière nuit. Demain matin, 11h, c'est fini. Donc pour l'instant, on croise les doigts que ça reste comme ça, on est sur le podium. Donc j'ai mis tout à fond, voilà, donc ça sera une bille 50-50, voilà, de chez Dynasty Bets, avec une pop-up aimante. Et mon autre canne, c'est montage à la Tiger Nuts, avec un faux maïs rose. Ben on croise les doigts pour cette nuit. J'espère que ça va bien se passer et qu'on va faire quelques beaux poissons. Ah, voilà, après une nuit stérile,
où on n'a rien fait, pas un bip. Et ce matin, au réveil, je sais pas quelle heure il était, 8h30, 9h. Dans ces eaux-là. Et voilà, on a déjà fait un petit poisson de 5 kg. Et voilà le poisson qui va... qui nous assure la première place. Voilà, c'est un magnifique poisson. Combien là? À peu près 15 kg. C'est pas mal, c'est mon record. Voilà, c'est mon record. Je suis content. Franchement, on finit super bien l'enduro. Enfin, pas encore, on finit qu'à 11h, donc il y a encore moyen de faire quelques poissons. En deux fiches, on est à plus de 20 kg là en fait, avec celui de tout à l'heure. C'est... Attendez, bougez pas, là, Jordan et son collègue qui viennent nous valider notre poisson. 15 kg. Et voilà notre ami Mickaël qui est tout fier avec sa grosse cape. Allez, lève. Ah, j'ai plus de bras. Et voilà, magnifique poisson qui vient nous classer à la première classe, première marche du podium, pardon. Voilà, et puis Mickaël bat son record du plus gros poisson. Ouais, record. Voilà, pour lui c'était une première, un premier enduro. Un premier enduro pluvieux, mais heureux. Et pas facile parce que là-dedans, il n'y a que des pins. Voilà. Ah, donc, Là, ça remonte super bien, franchement. Super content et c'est pas fini, il peut nous en sortir une troisième. Ça fait la deuxième et l'autre était un peu petit. Bon, je la pose, Jean-Phi. Allez, on vous dit tout à l'heure. Et voilà le record du 48 heures. 15-2. 15-2. Content. Magnifique poisson. Il nous fait rester sur le podium. Merci à lui. Allez, ouais. On va le remettre à l'eau. Allez, je vais faire un bisou parce que... Allez. J'espère que je referai d'autres, mais celui-là, il m'a bien fait plaisir. Maintenant, c'est histoire de le remettre à l'eau sans me casser la gueule. Surtout. Yes. Et bien voilà, l'enduro s'achève tranquillement. Il reste à peu près encore une demi-heure de compétition, donc on pique tranquillement. Poisson compté, pour une moyenne à 3,8 kg. Il y a les deux chèques dedans. Mais pourquoi vous êtes ensemble? 6ème, Cormier. 5 poissons avec une moyenne à 4,14. C'est bien. Voilà. On va chercher le chef. 5ème, ben nous. Avec 4,6 en moyenne. Ah ouais, je pensais. Les quatrièmes, Manu, avec 4,9 kg de moyenne. Manu, hop, là. C'est bien. Alors, pas les troisièmes. Le vainqueur. Chaudé, avec une moyenne à 5,58. Les deuxièmes, Angelo. Avec une moyenne à 6,79. Et les premiers. Les grands vainqueurs. Bravo les gars, avec une moyenne à 8,2. Un plus gros poisson à 15 kg, faut le préciser. Félicitations. Bravo les gars.